Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmada, Chinotwene. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La question que je voudrais poser à tout le monde aujourd'hui, comment faites-vous pour ne pas souffrir alors que vous savez que vous n'êtes pas la personne que vous faites croire que vous êtes? Comment faites-vous pour vivre dans la peau de quelqu'un d'autre? Et ça, la rabbinonde. Bourreux, César, vous allez tranquille. Oui, bien que, ils ont un royauté. Ils ont un rôle de jouer. Mais vous avez un rôle. Vous avez tu n'es pas gentil, mais tu fais semblant d'être gentil. Tu n'es pas humble, mais tu fais semblant d'être humble. Tu fais semblant d'être quelqu'un de bien. Alors qu'au fond de toi, tu es foncièrement mauvais. Qu'est-ce que vous cherchez, au fait? Les applaudissements des gens ou la véritable transformation? Vous cherchez quoi, en réalité? Qu'on applaudisse pour vous, qu'on dise que vous êtes bien alors que vous êtes mauvais. À quoi ça sert de représenter un château alors que vous êtes une tombe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Je ne comprends rien. Vous allez vous tuer à faire plaisir à tout le monde alors que vous tuez vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous gagner les cœurs des gens en perdant le vôtre? Comment faites-vous? Est-ce que vous avez des nuits comme nous tous? Est-ce que vous dormez comme nous aussi? Comment faites-vous? Tu sais que tu dois à des gens. Mais tu as quand même le temps de sourire aussi. Tu sais que tu fais mal aux gens. Tu piétines les gens. Tu n'as aucun respect pour les gens. Mais tu fais semblant comme si quelqu'un, tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime les gens. Mais tu fais quand même semblant. En tout cas, Bozara Makasi, hein. Boza penza penza makasi, et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est respect à vous en tout cas. Mais rassurez-vous d'une seule chose, peu importe le rôle que l'on joue, le film va finir par s'arrêter. Peu importe la ruse que vous avez, aucune énergie n'est suffisante pour supporter le mensonge. Ça finira par vous détruire. Le rôle que vous jouez, ce film va s'arrêter. Le jeu que vous jouez, l'énergie vous manquera. Croyez-moi sur parole. Recherchez la véritable transformation au lieu de chercher les applaudissements des gens. Parce que la réputation, c'est un vêtement que vous portez. Mais est-ce que votre peau, elle est bonne? À quoi ça sert de vous battre pour avoir des vêtements chers si votre peau est en train de se détruire? À quoi sert toutes ces choses? Je me pose toujours la question. À quoi ça sert d'être propre devant les gens, mais au fond de vous, vous êtes sale? Pourquoi? Ce n'est qu'une question. Une question. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, faites un effort. Faites un effort d'être vrai. Soyez vrai avec vous-même. N'essayez pas d'être gentil. Soyez vrai. N'essayez pas d'être correct avec les gens. Soyez vrai. Parce que les gens vous excuseront pour votre nature vraie. Mais les gens ne vous pardonneront pas une fois qu'ils auront compris que vous étiez hypocrite. L'hypocrisie va te tuer. Le jeu que tu joues, oh, le rôle que tu fais, vas-y, fais-le. Continue à le faire. Continue. Mais rassure-toi que tu n'auras pas assez de mémoire pour retenir tous les mensonges. Tu n'auras pas assez de mémoire. Tu te contrediras. Pas parce que tu l'auras voulu, mais parce que ça sera naturel. Alors, ça ne sert à rien. Sois vrai. Reste-toi. Accepte-toi tel que tu es. T'es pas beau? Accepte-toi tel que tu es. T'es pas fort? Accepte-toi tel que tu es. T'es pas gros, accepte-toi. T'es pas gras, accepte-toi. T'es mince, accepte-toi. T'es très gros, accepte-toi. L'acceptation de soi, c'est l'amour qu'on a pour soi. Parce que vaut mieux être critiqué par des hommes sincères
qu'être applaudi par des hypocrites. Je préfère les insultes venant des hommes bien que les encouragements venant des hypocrites. Parce que sous ces soleils, il y a des gens qui paieront pour vous les universités, mais ils ne voudront pas que vous puissiez réussir. Il y a des gens qui vous demanderont d'aller plus vite, mais une fois que vous irez vite, ils vont vous regarder pour dire « Est-ce qu'il n'est pas monté sur les roulettes ?» Il y a des gens qui vont vous demander de continuer à travailler, de continuer à travailler, mais une fois que vous allez exploser, ils vont dire « Ben écoute, il a certainement pris un truc. » Les gens ne croiront jamais aux résultats, alors que c'était eux qui vous ont, en principe, encouragé à aller de l'avant. Le monde, il est comme ça, il est ingrat, il est ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'on fait? Le salaire de l'ingratitude, c'est le double travail. Le salaire de l'ingratitude, c'est la double portion du boulot. Quand tu seras en face de tes ennemis, regarde ces derniers en face et dis-leur que tu n'as jamais eu des ennemis. Le seul ennemi que tu as, c'est la pauvreté, c'est pas eux. Passe pas ton temps à vouloir convaincre les adversaires. Les adversaires sont des gens qui t'envient. Ils veulent prendre ta place. Et pour ça, ils veulent te distraire. Parce qu'ils savent quand s'ils arrivent à te distraire, ils prendront ta place. Alors toi, qu'est-ce que tu répondras à ces gens-là? Une concentration sans fin. On parle de l'avenir maintenant. Évariste Ndayishimiye et Faustin Archange, Touadéra à Kinshasa, sommet sur l'accord à Addis Abeba. J'en parlerai quand j'aurai tous les éléments. Ne vous en faites pas pour ça. Élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs envoyés au 6 mai 2022. Comment gérer le cas du prisonnier François Béa? C'est la manchette qui le titre. Je rappelle encore que François Béa n'est pas prisonnier. C'est tout simplement de la manipulation. Il n'est pas prisonnier. Les prisonniers, on le trouve en prison. Les prisonniers, on le trouve en prison. Les détenus, on le trouve dans les gardes à vue ou dans les cachots, tout ça. Mais les prisons, c'est là où on trouve les prisonniers. Alors, quand quelqu'un vient vous raconter des histoires, il faut dire non, c'est de la manipulation, tout simplement. La percée, un repenti à la tête du gouvernement, affaire RAM. Parlons-en sur l'affaire RAM. Les Congolais, il y en a quand même qui sont courageux. Hein. J'entends quand même des gens assez courageux. Courageux, vraiment. Ils disent, Fatshi, la question du RAM, c'est bien de l'avoir supprimé, mais on doit rembourser. Il y a des gens malades. Hein, je crois qu'il y a des gens qui perdent la tête un peu. Quoi. Vous allez demander au gouvernement congolais de rembourser les RAM. On vous a déjà remboursé l'affaire de GoPass. Le GoPass que vous avez payé pendant 5 ans. On vous a remboursé ça? La question du RAM était une question, comme moi je le dis et je continue à le dire, cette question, elle a été mal réfléchie, mal pensée. Et ça restera une tâche dans l'environnement du président Félix Tshisekedi. Ça restera comme ça. Quand on parlera du président Félix Tshisekedi, de tout ce qu'il aura fait de bien dans ce pays, parmi les choses à Mabé ou à Dwaolobaka, on retiendra la question du RAM. Mais Abdella a dit qu'il faut qu'on vous rembourse. Je me pose la question de GoPass. On vous a remboursé, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à payer le GoPass. Quelle est la taxe qui impose, qui institue GoPass, la loi, pardon, qui institue GoPass? Et dites-moi, GoPass, c'est quoi? C'est une taxe? C'est un impôt? C'est quoi? Quelle est la nature juridique de GoPass? Vous continuez à payer cet abonnement. À un moment donné, ceux qui sont passés avant cette administration, vous avez parfois une mémoire de mouche. Vous oubliez beaucoup, on dirait, hein? Vous oubliez vraiment beaucoup de choses. Bah frère, au foot, ça va tout le Congo, il y a la loi à mon côté, la législation à mon côté. Au foot, ça va tout. La TVA qu'on avait instituée ici, ça a produit quoi exactement? Si le produit en ligne, bah effet, ça la ligne exactement. Et là, besoin de donc c'est là-bas, bon. Et c'est aujourd'hui avec les rames qu'on va rembourser. Par contre, moi j'ai une idée fabuleuse sur la question des rames. Comme on ne sait pas combien ça coûtait, comme on ne sait pas à quoi cela a servi, et surtout, comme on ne sait pas la direction en Bongoana, l'État congolais peut s'organiser à faire quelque chose de durable pour permettre, disons, de durable pour et compenser Vidouana. Le Congolais peut encore comprendre, je dis bien, le Congolais peut encore comprendre. Ce qui Mbongoana Ram est réhabilité Mamayemo, et Tongi 2, 3, 4 ou 4 hôpitaux, les gens vont oublier cette affaire calmement. Ça veut dire qu'on se réveille un matin, on se rend compte que Mamayemo est réhabilité, pimpant neuf. On fait comme ça avec 4 hôpitaux dans le Congo.
bah hôpitaux général bah généraux pardon des références bah ça les quatre n'ambongora mais bimisi n'abîme montant d'un côté mais mon bimisi yana le peuple congolais c'est le même peuple qui va pardonner parce qu'on va dire aux gens monimbongo aramoana donc tout ça est un gros boy mais avec cet argent voilà à quoi ça servit parce que la bêtise elle est déjà là vous n'avez rien de tout ce que l'on va dire convaincre bah tout et là on est convaincu de ça. Et là, on a compris que l'État avait besoin d'argent et qu'il a fallu une question à rame. Mais on aurait dû procéder calmement et on n'allait pas dans ces conditions-là. Comme ça a déjà été mal fait, déjà. Et que Mbongo déjà canalisé cet argent dans les travaux publics. Construction, par exemple, il y a 10 km ou 20 km à chemin de fer. Mbongo a rame de Tongiango. Par exemple, réhabiliter 2 ou 3 ou 4 hôpitaux, il y a Kinshasa, pardon, il y a Congo, Mankona Kinshasa, Mibale Nakad, Mifatu dans la province, équiper le laboratoire, il y a la province, entre autres, Mbandaka, et ainsi de suite. Les gens vont oublier Marambebele. Regardez là où il n'y a pas de courant, et on essaie de voir comment donner l'électricité dans le côté Wana. Si cet argent de RAM fait quelque chose dans le modèle Wana, on aura changé beaucoup de choses. Si la question du RAM permet aux Congolais d'avoir un satellite, nous permet d'avoir un moteur de recherche à Malonga, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Ce qui Mbongo na Aram est aidé, n'a besoin moko besoin moko communautaire, n'a intérêt moko général, on n'aura plus tous ces problèmes. Ou si ça sert à quelque chose de prix des, je veux dire de commun, des général, beaucoup de choses vont changer. Ils vont plus dire ça. Et je suis même en train de penser Mbongo Aram wana, ce qui est foutu ba salarié et foutu ba retraité, les fonctions publiques. Une très bonne partie. Les gens vont oublier tout ça. Parce que vous avez déjà l'argent de côté. Vous dites, bon, nous allons envoyer en retraite, par exemple, il y a fonction publique, tout simplement, on n'en parlera plus. Et les gens vont finalement oublier cette affaire de RAM parce que, et vous servir au moins, ne leur moque. Et vous allez coûter première fois, amende honorable, le gouvernement va dire, bon, ok, comme le peuple n'a plus besoin de bon RAM, voici ce que nous allons faire. Comme le peuple n'a plus besoin, il y a Ram et Panaye, voilà ce qu'on va faire. Et on trouve l'argent, on le canalise ailleurs. Je pense que ça peut aider beaucoup. Au lieu de que tout le monde flotte aux alentours. Mais que ceux qui ont géré ce pays dans le passé se taisent un peu. Parce que vous nous avez apporté des taxes et des impôts dont on n'a vu ni couleur, ni direction, ni destination. Mais les lots qu'on a toujours au foot en haut et puis Nava au Bolongola, et ça l'appelle remonter. Combien de fois les Quinois ont payé la vignette à votre époque? Combien de fois la vignette a été payée? Combien de fois? Et qu'est-ce qui a été fait dans la vignette? Donc il y a des choses, il faut tout le balancer, tout le balancer en vérité. Bon, le but que la vignette n'a pas taxe sur le véhicule, ou dans le foot à Rawana. Mais tant que Moussa et Kinshasa se retrouvent, pourquoi vous recourez à un bon Moussa alors? Pourquoi on ne prend pas qu'un bon Moussa ou Bino Batomaye, les boutiques qui ont la caisse à l'État? Pourquoi on a besoin aujourd'hui de recourir à un bon Moussa? Parce que vous savez vous-même, un bon Moussa là. Na biloko ba go passo na mutaza na boende azu avion na ina boende azu avion na lisala azu avion na sugi de place a futi be go passo kuna et puis a futara depuis des années a futara go passo depuis d'être situé a futara kuna l'aéroport à Beni on paye la go on paye go passo là-bas mais go passo te fout dans l'aéroport à Beni crève et fait bon si l'aéroport à Beni na place ni bino bosi bo kalita dia gozon sel batabeni l'aéroport ba bon na bon oh non ça la gija ba dépense belé zombo gozon sel là-haut comment les gens sont moins sérieux. Na Espagne, hein? T'as outi Barcelone, t'as ya Congo. Bien que tout au Sombaka, na mboka wana, t'as zombo na un aéroport, tant au bim. T'as zombo na un aéroport. Camarade, dans un truc 130 dollars, monsieur dans un truc non 130 euros, monsieur qui 90 euros. Là, il fallait dans un bon, monsieur bon, mais tellement qu'on a coté la valise dans qui n'a rien à voir, dans qui je n'ai qui pas à rien côté. Mais ça dit que pour ce durant les allées, la kin pour ce durant les Si déjà vous n'arrivez même pas à rembourser, bah mon gars, ça lie à. Bon, on a un mécanisme, on a vu nos moyens, on l'a quand même mis là, pour qu'il batte pas carter, bah viens, bah bon, bah un bon côté. Et on sait comment ça se passe. Vous avez déjà remboursé? Non, les Congolais, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je dis toujours, ceux qui ont géré le pays à l'époque, à un moment donné, taisez-vous, on n'a pas besoin d'entendre vos voix. Ça sonne mal aux oreilles. Et surtout quand vous venez donner des leçons aux gens, ça sonne mal. Bambongo est bel et bien une institution à Congo Awa. Et ça là est loco à ta mon côté. Bonjour Gisatien. Vous n'avez jamais remboursé. Et c'est aujourd'hui avec le RAM que vous allez demander qu'on rembourse l'argent. Le gouvernement ne remboursera pas cet argent-là. Mais le gouvernement va finalement à Goluka, mécanisme Nyon Sorosala pour que Mbongo ait servir à besoin à Congolais. C'est tout simplement ça. Et servir à besoin à Bissot.
Bonobi que Ram est là qui pour au départ quand on a entendu cette histoire c'était pour nos étudiants pour nos wifi na bango et ainsi de suite même à l'Unuki n'allez voir le débit à wifi en basolo bas yo comment on a gagné l'illégal wifi icon car on a mis ali mais quand t'as tiko t'as la ta vidéo t'as la ta à ta conférence moi ici y a ni nico t'as là pour te rendre compte que ils ont demandé pour le battre bon même dans Bandagapé Ram il y a maintenant même dans Bujimai bah on a tapé Ram même na Bolobo. Pourquoi tu vas te barrer? Ok, maintenant l'étudiant de Bolobo, qu'est-ce que lui là dans l'université na, par rapport à Ram là? Ça lui sert lui ça, en quoi est-ce que lui il paye pourquoi? Bah tu as qu'une Bolobo parce que donc tout ça il a bon wifi. Bon bah ta province. Bon est-ce qu'elle a bon wifi? Donc vous voulez me dire que un monsieur de Bolobo bah au cas t'as un bon on a à Ram pour la bourse à l'université mon à Kinshasa. Vous donc vous trouvez ça normal? Donc vous allez kata Ram il y a papa mourir à 50 il y a 66 ans. A tika de ma classe peut-être katanga na epe kudute bo kata embongo wana embongo na yewana puke boke no tongela bana na bana université en plus il y a Kinshasa il y a communauté na direct te il y a université ya dawana te mais il y a musika ça n'a pas été bien réfléchi on aurait compris autrement la chose ça n'a pas été bien réfléchi de toute façon ça ne peut pas être bien réfléchi du moment où les aspirations qui ont été c'est maintenant le moment de dire bon avec tout ce qu'on avons déjà nous avons reçu tout ce qu'on a déjà gagné, voici comment nous allons orienter la chose. Vous voyez que Mbongo, pourquoi ça l'appelle usine? Pourquoi ça l'appelle usine? Il y a une raffinerie, il y a bloc Mabaya. Vous pouvez construire un truc. Non, Mouni, Bara Congo, Mbongo Aram, et créer deux usines. Ils ont engagé plus de 2 ou 3 000 personnes. Mbongo Aram, Mouana, et qui a réhabilité bah, usine et Bélé dans l'Imété? L'Imété, le commis bah, église, alors qu'il l'Imété, c'est à qui bah, industrie. Avant, il y a là qui limitait industriel, le commis limité spirituel. C'est extrêmement compliqué. Et bizarrement, l'ironie du sort, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'églises, moins d'usines, on se rend compte que les églises ont même chassé les usines dans ma place Wana. Il n'y a plus d'usines, c'est maintenant des églises. Il n'y a plus de travail, maintenant c'est la prière. Il n'y a plus le rendement, maintenant c'est les incantations, ainsi de suite. Mais c'est extrêmement compliqué. Limité, c'est là qui limité industriel, c'est là qui limité paroissialité, c'est là qui limité spirituelle, c'est là qui limité religieuse, c'est là qui limité industriel. L'identité de limité à l'époque, c'était les usines. Mais aujourd'hui, l'identité de limité, ce sont les églises. Après, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, je me dis, vous pouvez vous dire, bon, on va réhabiliter, on va refaire certaines entreprises. Entreprises, au comité de gestion, il y a Sika, pour la relance de Tchibango. Et pour relancer l'entreprise, et c'est à combien? Non, entreprise, il y en a peut-être 1 million. Peut-être 1 million. Entreprise, c'est à combien? 2 millions. Peut-être 2 millions. Il y en a 5 millions. 5 millions. On avait General Motors, ça, non? General Motors, Biloka Goudir, Biloka qui est belé. Et belé n'a limité, on a et belé, ceux qui ont vécu avant nous. Moi j'étais en ce moment-là, peut-être, j'étais pas sûr d'ailleurs, si j'étais déjà né ou pas. Mais en tout cas, ceux qui ont vécu avant nous nous disent qu'il y avait beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines, pas d'entreprises, d'usines. Et ces usines-là engageaient des Aïrois. Alors, chute, non, mais ben, dit quand? Aujourd'hui, on est quand même en train d'aller plus loin, mais. Est-ce que l'État peut penser sur l'État Salengo, je crois que Irozala très 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 bien. Le Sénat disposant de plusieurs casquettes, l'honorable Sangouma Moussaï, une sommité intellectuelle au service de la RDC, pour l'avoir rencontré, pour avoir discuté avec lui, pour avoir compris ses idées, avant qu'il ne devienne deuxième président du Sénat, je me te dis, ce monsieur avait déjà un parcours important. Et ce pays, on doit arriver parfois à honorer des gens comme ça. Monsieur Sangouma, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend généralement pas parler. Il ne livre pas beaucoup d'interviews. Il ne parle pas dans les médias. Déjà qu'il a un problème avec son français parce qu'il est anglais. Déjà qu'il est anglophone et son français est rempli d'anglais, beaucoup de mots anglais, beaucoup de mots anglais, et ainsi de suite dans son français. Ça ne, je crois qu'il n'est pas quelqu'un de... Il y a ma TV, mais c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'aussi conciliant en même temps. Mais bizarrement, quand il y a un Équatorien, il y a un Sénat en plus.
Voilà, il fallait le faire. Lubumbashi, la hausse illégale des prix du transport et la pratique des demi-terrains désormais sanctionnés par des amendes. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces reportées au 6 mai. Thomas Lubanga et Germain Katanga pris en otage, les miliciens posent leurs conditions. La CADECO exige la fin de l'état de siège, la libération de certains prisonniers, le retour des habitants dans plusieurs localités, dont celles de Bambou, Kobo et Lipri, et un arrêt des opérations militaires. Gouvernement Gaga. Mon état de siège, ça fait mal à plusieurs personnes, parce qu'ils savent exactement. Et ces gens-là sont téléguidés par des gens qui sont allés ici, un peu ailleurs, et ainsi de suite. Moi, je suis convaincu que le gouvernement n'arrêtera pas l'état de siège. Ça va être une erreur monumentale. Un État ne peut pas fléchir devant les groupes armés. Ce n'est pas possible. L'État va continuer à garder ça, à mettre la pression sur l'état de siège. On mettra la pression sur l'état de siège et on est dans un État. L'État a des moyens qu'il peut mettre en place pour aller récupérer les otages qui ont été pris et sanctionner ces choses-là. Donc, je n'entre pas en profondeur, non, mais en tout cas, on connaît tous comment ces choses se passent et on connaît tous les tenants et les aboutissants. Les présidents burundais et centrafricains à Kinshasa pour participer au sommet sur l'accord d'Addis Abeba. Ce sommet d'Addis Abeba, j'en parlerai quand on aura tous les éléments possibles. On aura tous les éléments possibles. Donc, on m'a dit que comme notre Tongo et Bamoura, Babimité pour l'embouteillage, ils ont dérangé ma Congolais. Babimi, parce que ma président, il faut baya, ben, il m'a mon nom ordre, mon robot. Et donc, et là, en miniature, c'est que Mbujima, on avait fait au président de la République. Babongsi, bah, là-bas, là, pour le président Bi, qui est le président Kouya. Et cette culture, on l'a toujours. Bah, là, dit ça, ma chauffeur, on a vu ça, c'est à l'époque, ma veste, ma cravate, parce que, au Londres, dans la Kaya, il fallait mon image à bien. Et au lieu de continuer de mettre ça comme vie, Nabisso, nous sommes comme ces faux parents qui, lorsqu'ils reçoivent les invités, alors, ils soignent la maison, ils nettoient la maison, ils demandent aux enfants de bien s'habiller parce qu'ils vont recevoir les invités pour que les invités partent avec une bonne image. Mais le problème, c'est que nous-mêmes là, comment on va vivre? Comment on va vivre? C'est un peu comme toutes ces femmes qui s'habillent bien quand elles sortent et quand elles rentrent à la maison, elles peuvent être sales. Voyez-vous? Donc, Mibali Libanda, Bato Libanda, Bango Dalila, il y a Solo, Chamazulu. Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui impriment la mentalité de la propriété comme une vie, comme une règle. Et non le fait d'on va régler les embouteillages parce que les gens viendront de loin, il faut que Mamouna les a régulés. Non, nous voulons que Tikala Bongo est dans la norme. Et la tête, ça va pour Mbagoya. Mais Tikala Bongo pour que tout soit content, tout ce là et que ça va très bien. Ministre de l'économie en guerre contre l'exagération des prix des médicaments, des consultations et hospitalisations. 140 dollars innuité en Gallimard Santé. 1250 chez HJ. 7 dollars de consultation en Gallimard contre 30 dollars à HJ. Médicaments en RDC plus de 100% plus cher qu'au Rwanda et au Congo-Brazza. Après, ces gens vont dire, nous, on aime le pays. Ce que le ministre de l'économie est en train de dire, il est mais c'est vrai. Je vous rassure, mais c'est vrai. Nous sommes le seul pays au monde où, parmi les pays au monde, où la question des maladies peut ruiner considérablement une famille. Je peux vous rassurer que c'est inimaginable et impensable. Je ne sais pas si c'était avec LG ou avec Homo. J'étais allé voir un ami à Maman Angalima. Il était mourant, il était malade. Malheureusement, mon ami est parti, Eric, qu'on appelait DJ Soul à l'époque, mais il a changé de nom, on l'appelait maintenant Eric. Je suis allé le voir à l'hôpital. Et pendant qu'on discutait, il était mourant, pendant qu'on discutait, je vois une dame à l'extérieur parler au téléphone et j'étais très curieux d'écouter la dame. La dame dit, non, t'es papa boni, au besoin du client, go. Vous imaginez, vous avez un client, ah, au moins, vous avez le bâtiment, vous avez le bâtiment, vous avez combien, maman? Ah, vous avez ça 700 dollars. Vous avez ça 700 dollars. Vous avez ça 800 dollars. Vous avez ça 1000 dollars. Et comme vous avez belé, comme vous avez 2000, 3500, vous habitez dans ça. Est-ce que vous avez un peu de temps? Alors, j'étais totalement désemparé. Une pauvre dame qui a certainement, qui s'est battue toute sa vie.
pour construire une maison afin de laisser à ses enfants. Mais la voilà dans une obligation de vendre tous ses efforts. Et bizarrement, la parcelle, selon elle, pouvait coûter 122 000 $. Bon, ndakunaye, il y a qui nasoki na lingua là, il va coûter 122 000 $. Mais à te kanda kunaye, wana na 47 000 $. 47 000 $. C'est-à-dire, juste l'argent, il y a gozo nda, il y a gozo moana, il y a juste un bon gozo moana naye, kouti nda na end. 47 000 $. Ndaku y a la valeur, il y a 122 000 $. Alors, ceux qui n'ont pas de clients, il y a 100 000 $ bagoyate. Ceux qui n'ont pas de clients, 70 000 $ bagoyate. Et moi, quand je suis venu, il y a la prochaine faiblesse. Donc, c'est un bon endroit où tu es. Entre-temps, dans l'hôpital, il y a des menaces. Mesdames et messieurs, c'est quand tu ne te trouves pas dans cette situation que tu penses qu'elle aurait pu bien faire. Mais quand tu te trouves dans la même situation, même à 30 000 $, tu pourras vendre une maison à 150 000 $. Parce que là, tu n'évalues plus en termes d'argent, tu évalues le souffle de ton fils et tu évalues ça en fonction du retard que tu prends. Et tout devient, tout part vite au point que tu signes le document en pleurant. Maintenant, imaginons que moi, je n'ai pas qu'il y a Koufi. Imaginons ça. Moi, je n'ai pas qu'il y a hyper Koufi. Donc, ça veut dire perdre Nandaku Namwana. Or, si le système de l'État était sérieux, si le système médical était à la place Nango, si on pouvait respecter le prix. Même il y a des hôpitaux en gros, on n'allait pas se retrouver dans ces situations. Moi, j'ai vu dans les hôpitaux de Kinshasa comment on va rançonner Batumbongo. Mais vous n'avez pas d'idée. Papa a eu un mouké à 5 ans, à Zobé, à Zobé convulsé. Moi, j'ai eu un côté de l'hôpital. Depuis, je n'ai pas eu un bon moment. Ampoule-boué, 20 $. Ampoule-boué, 30 $. Ampoule-boué, 50 $. Ampoule-boué, 70 $. Fichot, 80 $. Le papa ne regarde pas sa poche, il regarde le souffle de son enfant. Avant la poussée, il y a un bica. Et le papa va dépenser 400, 700, 800 dollars. Voyez-vous, pour une affaire, il y a simple. Pourquoi? Parce que l'État a quand même mis sous place. Ba maman est belé, bada le lot arrêté dans l'hôpital. Ba sa bloqué dans l'hôpital le lot. Mon obima dans l'hôpital, les aides. Ba kangye na monsina. Ba kangye na banana yekou na kati. L'enfant est né. Maintenant, à 3 mois, 4 mois, moi, on a été dans l'hôpital à Bimaraté. Dans des prisonniers dans les hôpitaux. Ils sont là. Autour du maman, on a un bon coup. Quand on a combien? Papa, quand on a 700 000. Quand on a combien? Pendant 800 000. Nous étions allés, je me rappelle, quelqu'un m'a dit que dans l'hôpital, à coûté situation. Ah, si, maman, maman, ah, on a un problème. Oh non, papa, tika vraiment, combien? Oh, 122 000 francs. Ah! Donc, les colonies à 122 000 francs, moins de 100 $, bah, quand on est en prison. Maman a dit, papa, on a été en Ndunda, on a été en Makala, en prison, na, pardon, en Niniawa, en hôpital. On a reçu 120 000 francs, on a été en Ndunda, on a reçu 120 000 francs. Et comme il y a habité 120 000 francs, il y a accumulation, bah, nyongo. Na, il fallait foutre 8 000 francs par jour. 8 000, on a foutre 8 000 francs. Parce que on a beaucoup de bénéfices, on a reçu la bundi, on a reçu 10 000 francs. Il faut que de la bombe pour la survivre. Nous avons 6 000. Nous avons 2 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 000. La pauvre dame se retrouve dans une situation où elle ne peut pas tenir. Nous avons 8 000 francs. 9 000 francs. Et ça, c'est à Kinshasa. Mais à Kinshasa, il y a profond. Ah, regarde, à Kinshasa, profond. Et dans la basse, il y a un robot en hôpital. Un robot en hôpital. Parce qu'elle est incapable de recevoir ma fiche à 4 000 francs. Elle est incapable de payer une fiche de 4 000 francs. Elle est veuve. Elle a 5 enfants. Elle est incapable de payer 4 000 francs. Il y a fiche. Alors, il y a un accouchement. Il y a un accouchement. Mais c'est moins cher. Combien? 30 000 francs. Moins cher. Mais elle est incapable de se payer un accouchement de 30 000 francs. Mes frères, 30 000 francs, c'est 15 $. Hein, au cas où on oublie. C'est même pas 15 $. 30 000 francs, c'est même pas... Si, si, c'est 15 $. 30 000 francs, c'est vraiment 15 $. 20 000 francs, 10 $. 10 000 francs, 5 $. Non, 30 000, c'est 15. Mais incapable de se trouver 15 $ pour un accouchement. Mais dans la condition, il y a 15 000 francs déjà. Il y a 30 000 francs, condition, il y a hôpital. Mais malgré ça, elle n'a toujours pas de moyens. Est-ce que vous imaginez? Alors, si on doit s'attaquer à Nabilo comme modèle Luana, moi, je trouve que dans tout mon cas, bien. Au bout, ça me coûte 1 250 $. Au bout, ça picoler malade, il y a un picolat, Tony. 1 250 $. Non, mais à un moment donné, on va dire, mais on veut bien, vous avez les standings, oui, ça va, mais mettez les justes prix quand même. Vous n'allez pas exagérer.
C'est-à-dire qu'il y a un moko yoba toi tchaka pri ndenge bango ba sepeli ba tchaba pri. Même attendre la ba pri ba ndako ote kawana. Ezaka ndenga yemo ndenga sepeli. A sepeli la mukina tonga binde kunanga na tchango 150,000, na tchango 120,000. Ali a sepeli na. Bon, moni mboko mi yimo ibe za mingi. Mboka o mafia za mingi bilo za la kacher. Parce que ba doit bi venir valeur en bomote. Parce que je ne peux pas comprendre que bandako mutu na Kinshasa eza na ba montant wana. Ici on blague avec l'argent. Na poto yo kandako mutu 200,000, 300,000 dollars, on tali pende ko bime oh. Ndako ngo pende yango ko. Il y a la condition en 300,000, 350,000. Mais il y a Il y a 200 000. Il y a blanchiment de capitaux. On est là, on est dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Donc voilà. Moi, j'encourage le ministre de l'économie d'aller plus loin, de vraiment essayer de voir qu'est-ce qui pousse ces gens-là à le faire. Je peux encore comprendre que Boussa la bongo, mais Boussa la tabino bien. Mais malheureusement, ils font ça, mais ils ne payent toujours pas l'argent à la malam. Ça ne va pas. Hôtel Nabino, hôtel Nabino, là, ceux qui nuitaient à l'hôtel, 400, ceux qui descendent de là. Mes frères, ce n'est pas pour ceux qui n'aiment. Je me retrouve à Barcelone. Il y a un endroit, un hôtel, j'oublie les noms, il y a un plage. Hôtel Wana, nuitée, le jour à 31 décembre. Il a coûté 600 euros, Boutoumoko. Mais je te dis, les gens étaient là en train de dire, mais ben, c'est passable, hein, mais c'est normal, ils sont, oh, c'est normal. Mais sur Otali Hotel Wana, tu te dis, mais c'est pas possible, oh, hôtel à modèle ligno. C'est-à-dire que, Il y a un hôtel à 70 ou 80. Il faut qu'il y ait quand même logique. Voilà. Tu ne peux pas. Parce que. Non, qui est dans les blocs dans mon groupe, mes frères, c'est qui ça y est. Je suis dans mon groupe, je connais mon groupe, je connais mon groupe, je suis sucré 4000 francs. Je suis sucré 7 dollars. Autour de papa, il y a quand même 7 dollars, il y a Nini. Oh non, les standings. Standing, il y a Nini. Il y a climatiseur, il y a mon groupe. Il y a au salaire acoustique. C'est quoi? Qu'est-ce qui a milité pour que prions comme à l'écolo? Il y a Nini au juste. Et c'est là où on se rend compte qu'ils le font parfois sans l'État. Ils le font comme ils veulent et puis présentent à l'État les prix et puis ça s'arrête comme ça. Non, l'État doit demander pourquoi tu as mis ça à tel prix. Et l'État, donc on peut aller dans ce sens-là, sinon ça va être très compliqué. Terminons avec le procès chez Béa. Mais je veux dire avant de terminer, qu'est-ce qui fait que pour la même maladie, Mutabeli na Ouganda, pour la même maladie, Mutabeli na Rwanda, Mutabeli na Congo Brazzaville, na Mutabeli na Kinshasa, pour la même maladie, ceux qui ont na ba pays na Tanguana, ba dépenser 30% il y a au mutu na Kinshasa à sali. Vous m'expliquez pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ils à la bongo? Je veux savoir. Procès chez Béa, les parties civiles réclament 625 millions pour la réparation des préjudices subis. C'en est fini pour aujourd'hui. Il y a le président de la Mouka qui a fait un communiqué que je me permettrai de lire demain peut-être pour comprendre le sens d'en haut très bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps.
réponse, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux sang, Zizou Bidwa, Daïmada, Chino Tweneye, Nakimia Panapiko. Loye Mali, loye Bolo, nene ya lisa.